RTCI nous réunit. Ce sont des fêtes qui sont très chères à nous, et entrent dans notre cœur. Et je suis bien content qu'ils soient proches l'une de l'autre, parce que la fête, les deux fêtes regardent tout le peuple tunisien qui est ici, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, ou de nos frères musulmans, et sont les fêtes de tout le monde. Alors, je voudrais que cette fête, ces deux fêtes soient pour tout le monde une occasion de paix et de sérénité. Nous avons besoin ici, en Tunisie, qui est le plus beau pays du monde, qui sait accepter et accueillir n'importe qui vient ici. Il se sent chez lui. Et on souhaite que ce pays puisse vivre en paix et en sérénité. Non pas seulement la sérénité et la paix du matériel, où il n'y a pas de guerre, mais aussi la paix et la sérénité du cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en paix, mais il y a aussi la tristesse du cœur à cause de la souffrance, à cause d'un deuil. Et nous demandons au Seigneur qu'il puisse nous donner à tous une année nouvelle qui commencera bientôt, une année de paix, de bénédiction pour tout le monde. On a vraiment besoin de cela. Et que le bon Dieu d'en haut nous aide et nous donne sa bénédiction.